Lise après-midi de me représenter parce que c'est petit et vite. Et quand je me réveille, je demandais à mes voisins de m'escorter parce que c'est le ministre Mabré, le chef de Yakuba, qui est le chef de tous les peuples du monde qui me charge de me présenter. J'aimerais donc au nom du ministre Mabré vous dire merci. Vous dire merci pour l'invitation qui lui a été destinée. Vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis maintenant 2 semaines, nous sommes en train de sortir d'une phase électorale. Les élections locales ont eu lieu le 2 septembre. Hier, samedi, ont eu lieu en Côte d'Ivoire les élections sénatoriales. Donc, le ministre d'État, Abdelatakus Mabri, vice-président du RHDP, est lui-même candidat pour nos élus de la région du Tombouï. Donc, étant donc à l'ouest, Richard est venu le représenter et de saluer tous ses frères et sœurs et nos délégations venues de l'extérieur. Il aurait bien voulu être là aujourd'hui pour saluer ses frères et pour saluer ses sœurs, mais Richard est venu vous saluer. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les relations très cordiales et très fraternelles, les relations chaleureuses entre la Côte d'Ivoire et nos frères de la Guinée qui n'ont jamais tardé. Une relation forgée par Félix Compagné, entretenue par Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont nous faisons l'effort de venir ici encore consolider, dédié à tous nos frères et sœurs guinéens résidant en Côte d'Ivoire. Et comme notre hymne national le dit, nous sommes un pays d'hospitalité. J'espère que vous avez vu l'hospitalité des Ivoiriens et le ministre Mabri me charge de vous dire merci de partager ce moment d'hospitalité parce que nous sommes deux grandes nations pour l'hospitalité. Je le disais parmi l'association des élèves et étudiants guinéens résidant en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est comme des sœurs et des frères. Il y a des gens en Côte d'Ivoire dont le savoir se trouve à Côte d'Ivoire et la chance se trouve en Guinée. Parce que nous sommes fortement liés, alors je voudrais dire merci pour cette opportunité qu'on nous donne de venir assister à cette belle cérémonie, cette belle mobilisation. En tout cas, j'aimerais juste m'arrêter là pour dire vive la fraternité guinéenne-ivoirienne, vive la Guinée. J'ai plus de la stabilité à Guinée, la stabilité au Mali, la stabilité au Burkina, la stabilité partout en Afrique, parce que nous méritons la paix et la stabilité. Je vous remercie. Courage avec l'applaudissement, s'il vous plaît, Raja.